Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Call of. On est à l'épisode 5. Aujourd'hui, un bon épisode blabla. On est prêt à enfoncer le portail. On n'aura que 10 minutes pour agir à partir de votre premier coup de feu. Prenez plus de temps et on aura de la compagnie. Occupez-vous des gardes de devant. Concentrez-vous sur les nids de mitrailleuses. Une fois le portail à terre, foncez à l'intérieur et trouvez le major. Ensuite, revenez au camion. Ok. Bon, donc oui, j'ai augmenté un peu le son du jeu, hein, parce que je trouvais qu'il était pas très fort. Ouais, brièvement, là dans le jeu, on va infiltrer ce camp pour libérer le Major Ingram. Il y a du temps, ça qui est chiant, donc ça va être rapide. Je l'ai toujours bien réussi cette mission, même si je l'aime pas. En plein feu de l'action, ça va être dur de discuter. Oui, donc parlons de ma chaîne coop avec Nezi. On n'a pas encore mis de vidéo dessus. C'est normal, pour l'instant on s'occupe chacun de nos chaînes. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Ensuite, j'ai fait une chaîne Twitch pour des lives. Boum. Attendez, je suis vraiment désolé là, je trouve que c'est vraiment trop fort. Sur la vidéo, ça... Je verrai. Je regarderai le début de cette vidéo, si le son il est nickel, ben, je me repèterai les oreilles. Voilà, je préfère mieux. Donc oui, ma chaîne Twitch où je fais de temps en temps des lives là. Là, en ce moment, ce sera des lives plutôt sur Arma 3, Altis Life. Ensuite, oui, il y aurait un peu de... Non, ben, de coop sur ma chaîne, voilà. Et j'ai pas du tout fait gaffe à ma vie. Ça, c'est parce que je discute, là. J'arrête. Ok, j'en prends direct plein dans... C'est vrai qu'on peut pas sprinter. Je sais plus comment j'ai fait. Voilà. Hop. Couché. Ok. Mais donc Major Ingram. Hop. Faites dodo. Ok. Ah, c'est leur camo, j'ai cru que c'était des parachutistes. Ah ouais, tu l'es, hein. Moi, je progresse. Oh, il est où l'autre qui m'a mis cher? Hop. Ah, bon, je reprends la life. Hein. Aussi, nouvelle intro, hein, parce que l'autre, je l'ai fait à l'arrache et je la trouvais un peu, comment dire, nul à chier. Ouais, c'est ça, nul à chier. Donc, je me suis pris la peine de faire une intro. Au final, ça m'a bien plu. Je me suis dit, ouais, ça va être chiant, ça va me casser les couilles. Finalement, j'ai bien aimé la faire. Fait avec Sony Vegas Pro, hein, pour les intéressés. Le 12. Et normalement, ça sera cet épisode-là. Mais ça, c'est l'épisode 5 et le moment où je tourne, j'ai pas posté l'épisode 4. Ben, vous la verrez déjà sur l'épisode 4, voilà. Ah oui! Je vais vous parler de la Band of Losers. C'est une petite idée sympa que j'ai eue. Vous connaissez sûrement le film Band of Brothers. Si vous le connaissez pas, ben, je vous le conseille. Moi, perso, c'est l'un de mes meilleurs films. Et vu que
C'est très rapporté à ce jeu-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on n'est pas un gars de la Band of Losers, vu les fails et tout ça. Ça pourrait être sympa. Bon, s'il te plaît, normalement ça débarque. Voilà. Attends. Donc voilà, je trouve ça un peu sympa. Grenade! Je sais plus comment on dit chute en allemand. Bref. Halte clap! Boom headshot! Voilà. C'est bien mon fils. Ouais. Ok, j'aime bien la texture de ton bourrelage. Hein? Ouais, bon, c'est un vieux jeu. Je suis trop dur avec. Oh, il nous reste 5 minutes. Bah, on a à peu près mis 5 minutes à venir. Oh merde, ma vie. Vas-y, une grande passe devant là. Non. Oh, mais allez vous faire. Ah! Vas-y, Ingram. Cover. Ah là. Ça fait du bien. Ça fait un petit moment que j'ai pu jouer, c'est pour ça que je suis un peu. Ouh! Ah, des balles, où ça? Voilà, mais je prends cher. Ah, ouch. Le bâtard. Les vises. J'ai trop l'habitude des Battlefield ou des Call of où il faut rester appuyé pour viser. Et vous me dites pas, eh hey, mais c'est un Call of? Non, silence. Je parle des nouveaux. SVP, life. Oh putain, grenade. Boum. Là, il y a un camion qui va débarquer là. Espèce de chien. Celui-là, on peut jamais le tuer. Oh, fais gaffe, une gramme, hein. Oh, mais fuck. Et j'ai trop pas de vie. Oh. Je vais la jouer tactique. Allez, Ingram, on y va. Oh. J'ai vu un truc de vie. Sûrement que je l'ai déjà pris. Pote, poteau. Oh putain. Give me 3660, height. Crevé, bande de boches. Oh, je prends cher. Bonjour, vous aurez pas un peu de vie? Non, bonsoir. T'es super couchette, hein. Ils avaient la place pour mettre 25 lits là. On y est, hein. On est à la fin. Enfin, j'espère, parce qu'il reste 2 minutes. Donc on va rusher un peu. C'est bon, on y est. Silence, dors, c'est bien. Tu peux venir, Ingram, hein. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Est-ce qu'il est meilleur là, hein? La Band of Losers. Bon, vu cette image, on va être la Band of Losers britannique. À l'ouest, les Américains prendront les plages de Utah et Omaha.
le flanc est de cette invasion sera exposé à une contre-attaque allemande depuis la région de Calais. Si les Allemands venaient à passer, leurs chars pourraient bien traverser Sorde et descendre jusqu'à Utah, anéantissant toute notre tête de pont. Avec la 6e division aéroportée, nous devrons sécuriser ce flanc coûte que coûte, et en prenant le contrôle des ponts principaux de cet axe. L'objectif de la compagnie D est ce pont sur le canal de Caen. À la nuit tombée, les planeurs nous déposeront dans les champs à proximité du pont. De là, nous prendrons d'assaut la casemate pour empêcher les Allemands de faire exploser le pont. Nous la contournerons des deux côtés avec au moins une mitrailleuse Bren en appui. Lorsque nous aurons pris le pont, nous devrons le tenir quelques heures en attendant la relève. Pendant ce temps, nous devrons peut-être utiliser les armes des Allemands contre eux. Alors, je vous conseille de vous familiariser avec celles que nous avons capturées. Bonne chance à vous tous. Rompez. Ouais, bon. L'une de mes missions préférées. Je vous explique, il y a deux phases. La première phase, c'est ma mission préférée. La deuxième phase, je l'aime pas trop, je meurs souvent. Et c'est ça qui est dommage, j'espère que je vais pas trop crever. Je vais, dans la deuxième partie, je vais jouer safe, hein, parce que ça va être chaud. Oui, donc on est les Britanniques, je les trouve trop stylés avec leur Sten, leur équipement. C'est beau, c'est beau. Ah, le petit Sten. Moi je voulais toujours l'avoir alors j'attendais qu'un allié crevé. Ah bon sang Jack, c'est la plus grande forêt de Normandie. Ouvre l'œil. Où c'est ça? Je ne vois rien. Ils l'ont peut-être déplacé. D'après mes calculs, nous sommes sur le bon cap. Il faut virer de 2 degrés dans 5, 4, 4 3, 3, 2, 1, 1 go. Vire de 2 degrés à droite. Je vois pas pourquoi il dit sortez les parachutes si c'est des planeurs, non, je sais pas. J'avais jamais fait gaffe. C'est marrant quand on voit tout le monde. Ouais, je vais bien. Ah, j'étais presque. Excuse-moi. Attention, eux ils sont super bien camouflés et moi je fais une couille en me voyant. C'est bon là, non? Ouais, oh, vas-y là, oh! Vas-y, mais il dort couché! Oh, mais il y a combien de gars? Mais oh, mais on peut pas sprinter! Cours! Et va debout! Avec une bonne petite brenne là! Oh, mais vas-y! Pour qui tu me prends? Ça va péter! Sur le coup, j'évite de la prendre la villa parce que j'en aurais besoin dans la deuxième partie. Oh, j'ai des problèmes de souris là, ça se clique droit tout seul de temps en temps. Bon allez, soyons fous. J'en aurais aussi sûrement besoin, mais... Un pensé Artungan. Un tigué.
Il faut que je reste près de lui de toute façon. Ok. Ouais bon, je vais aller voir l'autre et il va me dire. Eh, t'as vu, il y a un char. Ah bon? Bonsoir. Oui chef. Oui chef. Non, c'est moi qui va le dégager ce maudit truc, ok, hein? Donc tu vas te calmer. Lui, il va juste faire une magouille en dessous, je sais pas pourquoi. Voilà, il va le réparer. Ça déjà, fort les Allemands. Bon, on doit protéger un pont, mais je sais pas, c'est cassé. Il n'y a plus d'obus qui rentre. Excusez-moi. Oh, merci les poteaux. Oh, putain, ça on en a pas besoin là. Ah putain. Et voilà, il a tourné une vis et c'est bon. Désolé que je vous ai pas montré le passage. Et ouais, bah, pour la partie 2, je vais devoir faire ça, mais avec beaucoup plus de chars. Et c'est pour ça que je meurs souvent. C'est ça qui est chiant. Vas-y. C'est mer. Toi aussi, ça fait un joli tir. Oh, j'ai une stène. Ah, je suis content. On prend que une mitrailleuse lourde. Oh non, non, non. Cours, cours, cours. Pardon. Punaise. Oh, va te faire mettre. Oh, ta sœur, le char, là. Oh, mais viens, là. Bah, t'as intérêt, ouais. La technique du zigzag enragé, hein. Elle est très connue, cette technique, pour esquiver les balles dans un jeu vidéo, hein. Oui. Oui, pardon, je suis con? Oui, je sais, merci. Voilà. Voilà. Ah bon? D'accord, je vais essayer! Avec sa vive pourrite là. Ben, logique que ça marche, c'est une flaque. Si ça peut péter un avion, ça peut péter un char, hein. On va passer par là, hein. Où est-ce que vous allez? Couchez, les Allemands. Couchez. Allez voir le Führer, hein. Couchez. Comme le chien d'Hitler, hein. Couchez. C'est bien. Ah, plus tard, chez moi à la maison, je veux un Allemand, hein. Comment que ça obéit bien? Je rigole hein, pour tous ceux qui sont allemands. Je parle des Allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Excusez-moi si votre grand-père en a fait partie. Hein. Bien sûr, prendre ça avec humour. Bref, c'est quand que ça se termine? Je suis en plein sur l'objectif. Le gars, il va. Je gaspille mes munitions alors que j'en aurai besoin demain. Oh, voilà, couché. Ah bon? Bah, je pense que moi ils sont tous morts. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à l'épisode 6. Ciao ciao!